Et ben voilà, je pense que c'est une phrase qui résume bien ce début de vidéo. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée. On a quitté au Japon. On est en train de quitter, donc on va quitter Tokyo. Et nous nous rendons à... Là on va aller à la gare de Tokyo faire nos passes de transport et après on ira au Mufuji. Voilà, et donc c'était l'occasion pour vous, pour nous pardon, de vous montrer un peu le quartier dans lequel on réside, en tout cas, on a résidé pour le moment, on va y revenir évidemment. Alors sachez qu'il est 8h20, je crois. Oui. Il fait déjà 31 degrés. Et ce n'est même pas une blague, il fait vraiment 31 degrés. Et ça tape, je vous dis pas. Autant je suis pas réceptif à la chaleur comme garçon, mais alors là j'avoue qu'il fait quand même particulièrement chaud. Bon écoutez, on va pas vous faire nous dessus parce que tout, il faut quand même que notre batterie tienne jusqu'au point culminant, sans mauvais jeu de mots. Oui, parce qu'on a prévu de gravir le mont Fuji. Non, on a pas prévu, moi c'est clair que je pourrais pas le faire, vous savez très bien. Nous n'allons pas gravir le mont Fuji, mais on aura normalement une belle vue, on a quelque chose de sympa. On aura quelque chose de sympa à vous montrer. Donc voilà. Un petit mot. Eh bien, si vous vous réveillez, bonne journée. Et sinon, ouais. On va vous retrouver plus tard. Allez, à plus, on va vous montrer rapidement le quartier. Coucou. Direction la gare de Tokyo. Gros truc. Là derrière nous tout le quartier, on se croit à la Défense, sauf ouais, New York. C'est ça. Et il fait toujours aussi chaud. Ouais. En vrai, à l'ombre ça va. C'est au soleil où c'est particulièrement difficile. Ah bah forcément c'est là où il y a tout le monde qui fait la queue, bah ouais.
re tout le monde. On va. On va au Tsuki. Bah voilà, elle vient de dire, j'allais dire. Avant que tu finisses, Donc, comme vous l'avez compris, nous allons donc à Otsuki pour rejoindre le Mont Fuji. On est obligé de faire une escale, on va dire. Voilà, une correspondance. Voilà, il fait tellement chaud, ma tête. C'est clair. Il fait très chaud, mais bon, là on est dans le train qui est climatisé, ça vous permet de voir un peu le train japonais. On dirait un avion. Ah, et là vous allez voir, on a la jolie petite gare que je vous ai déjà filmée de toute façon juste avant. Et non, moi je voulais vous montrer un truc. Alors, peut-être qu'on verra ton plan dans la vidéo, je sais pas, mais du coup au cas où, nous avons acheté ceci. Excusez-moi, j'étais en train de ranger le. Nous avons acheté ceci. Ça fera la miniature. C'est des petits bateaux. Alors, on va voir, je pense. Ça n'a pas une dégustation en live en vidéo. Bah, c'est bien sûr. Tu le fais maintenant ? Pourquoi pas ? Allez. Ah, bon. Je vais t'ouvrir. Non, il y en a deux qui font le malais et deux méchants. Ah oui, vous pouvez les montrer. Attends, je bougez pas, je vous montre. Ah, bah, j'allais le prendre. Donc, deux qui sont pas contents. Et deux qui font des clins d'œil. Et donc, tu veux goûter celui qui fait un clin d'œil, c'est ça ? Oui, ça te va ? Ouais. Attention, oh, ça a l'air ultra moelleux. Ça sent la banane. C'est une génoise. Et alors ? Moi j'aime bien. Je le fais, je la. Non, je te la sens pas du coup. Non, vas-y. Oui. On a 4, c'est bon, on va pas mourir. C'est bon, hein ? C'est bon, c'est. Encore une fois, c'est bon ce que je veux dire. Mais. Oui, ça ressemble, c'est un goût japonais. Non, c'est un vrai goût de banane. Tu sais, c'est pas un goût d'arôme. Mais parce que je pense que c'est. C'est un goût du vrai fruit. Je pense que c'est de la banane écrasée. Demi-dedans, et pas du fruit synthétique. Ils sont bons, hein ? Parce que je sais pas si vous voyez, mais là, c'est ce qu'on appelle vraiment l'arôme banane. C'est comme les bonbons. Oui, mais c'est pas de l'arôme. C'est de la vraie banane. Et quand, mais ah oui, on n'a pas monté l'intérieur parce que c'est un peu. Mais en fait, du coup, c'est une génoise et dedans il y a une espèce de purée. Et je pense que c'est une purée de banane et pas une crème et un truc de. Moi, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblent les sièges de train pour ceux qui se posent la question. Ils sont plus confortables que les sièges de train en France. Là, j'avoue, autant j'aime pas faire les comparatifs. Surtout, moi, ce que je kiffe, c'est que le sol du train, c'est du lino et pas de la moquette. En fait, on se croit en première classe de la SNCF. Sauf qu'on est. Il y a une première classe ou pas ici, même pas. Non, ah si, il y en a, je crois, mais nous on n'a pas le droit de la clugir parce qu'on a pris la bon. Catholice. Bref, sur ce, nous on vous dit, on vous mettra, de toute façon, moi je vais filmer un peu le voyage. Je sais pas, on verra de la campagne ou on verra peut-être des. Oh non, il y a beaucoup de campagne là. Bah, on va sortir de la ville et puis après, ça sera de la. Bon, bah, vous verrez de belles images de campagne et puis nous on se retrouve au Mont Fuji. Ça marche. Ou entre temps, s'il se passe encore des aventures. Si on retrouve des bananes. Ouais, au chocolat. Allez. Saïla, oui, Saïla a trouvé un truc très intéressant. C'est des petits trains dans une boule. Attention. Ils nous ont rendu. Attends, c'est normal, ça arrive. C'est normal, ça arrive. Non, mais sinon, il y en a d'autres. J'en ai d'autres. Hein. C'est normal, ça. Elle marche pas, elle marche pas. Elle marche pas, tiens. Change de pièce, elle marche pas. Si. Tiens, non, là, vraiment. Je crois que c'est la machine qui marche pas. Attends, mais il faut pas d'abord. Non, il faut d'abord mettre les pièces. J'en ai essayé d'autres. Ici le numéro 2. Sold out. Bon, on va essayer avec ça. Ah là ça passe. C'est combien ? 300. Donc 3 pièces. Là tu tournes. Voilà, c'est tombé. Et nous avons eu. Attention. Ah. C'est vraiment trop moche. Ah, c'est un petit Mont Fuji avec des. Bon, il est trop mignon. Bon voilà. Il est trop mignon. Ça fait un joli souvenir parce que c'est en direct du Mont Fuji pour le coup. Oui. Voilà. Nous revoici donc en direct de Otsuki. Et là on attend notre train direction. Direction Kawajukiyoko. Kawajukiyoko, pardon. Et oui, à côté de nous avons un magnifique train. Alors c'était un express celui-ci.
c'est monte pas dans l'express, on prend le local. On monte pas dans celui-ci, voilà. Mais c'est celui qui mène en fait à également. Bon, en fait, on va prendre le même, à part que nous, il est pas express. Mmh. Et là, regardez, on a des petites rampes. Très sympa. Les chauffeurs qui viennent embarquer. Nous avons des trains, voilà, très sympa. Et là, surtout, on va vous montrer un truc. Regardez. Bah, attendez, vous allez venir avec nous. Je viens. Oui, j'arrive. C'est derrière nous. Normalement, vous devriez le voir, je pense, malgré le contre-jour. Ah, mais attends, c'est vachement beau là-bas. C'est le cadre. Ah oui, bah, vous l'avez vu derrière aussi. C'est le cadre magnifique dans lequel nous sommes. On est en montagne. En pleine montagne. Bah, ça empêche qu'il fait quand même toujours aussi chaud. Tu viens ? Moins chaud qu'à Tokyo, cela dit. Oui, bah. Mais il bouge trop rapidement. Moi, je bah oui. Pas. Non, voilà, donc nous sommes. Là, ça ferait une belle miniature. À défaut d'avoir le Mont Fuji pour le moment. Et notre train est à 15h20, il est 14h50, c'est ça ? Oui. Donc on a une bonne demi-heure d'attente sur un quai de 3 cm. Oh, et là, regardez, on va vous montrer en direct. C'est celui qu'on devra prendre, je pense. Tu crois, toi ? Le local. C'est-à-dire qu'on pourrait s'asseoir directement dedans ? Peut-être. Oh, regardez le train vraiment à l'ancienne. Bah, voilà, l'entrée en gare. Petite référence. Non, il va. Local Otsuki. Local Otsuki ? Ah, Fuji Kurei. Alors, vous noterez quand même les petits personnages de. Mais attends une minute. Je pensais que c'était les mecs de Persona pendant un moment, je me suis dit pardon. Non, c'est, non mais c'est quoi comme dessin animé? C'est un animé connu parce que regarde, il y a une licence. Bon bah regardez, c'est génial, on est coincé en fait entre deux trains. Entre deux trains, c'est vraiment trop beau. Bon. A tout de suite. A tout de suite. Et nous revoici. Alors je sais pas si vous allez nous entendre. Dans le train pour le moment. Voilà. Donc on est officiellement coincé. Regardez, la caméra est sur ton visage, c'est horrible. Et le face track. Et voilà, vous voyez le train, très charmant. Donc derrière nous, bah, nous avons le toute la route du Mont Fuji qu'on va vous montrer un peu. On va vous montrer un peu le fil du voyage. Alors là, j'étais obligé de vous montrer quand même le train Naruto X Boruto Connection. Mmh. Assez ouf. Ah, mais ils sont tellement chers. Non, autant ça me touche rarement les mangas, mais là pour le coup, comme j'aime bien Naruto. Fini, ouais. Et nous revoici. Et nous avons donc le plaisir de vous présenter le seul et unique. Bon, alors on voit pas grand chose. À cause des nuages. C'est là qu'on verra mieux que Kawaguchiko, mais voilà. Là, je pense qu'on est sur certainement une des villes les plus proches. Bon, on essaiera quand même de trouver un meilleur point d'angle, évidemment, pour vous montrer. Hein. Et welcome back. Cette fois-ci, nous sommes donc arrivés à notre ryokan. On va vous présenter. Alors bon, je vais vous montrer la vue sur le Mont Fuji. Et forcément, je ne pourrais pas ne pas vous cacher ma déception actuelle. Voilà, ça fait partie du jeu, peut-être que ça changera au fil des heures. Hein. On est là deux jours, donc vous allez voir pourquoi je dis ça juste après. En attendant, je propose que tu nous fasses, toi, la visite des lieux. Donc, je mets la petite caméra et tu nous montres. C'est une chambre traditionnelle de ryokan, avec deux futons. Voilà. Qui sont déjà préparés. Il y a une boîte à thé, comme d'habitude. Une petite table, des toilettes ici. Et après, on ira vous montrer... Les bains, parce qu'on partage les bains pour se doucher et tout. Et en attendant, voilà, peut-être que le Mont Fuji se présente un peu plus à nous. Il me semble que oui, il est en train de se découvrir, en effet. Si on regarde le vent va dans ce sens, et là-bas c'est ah, clair. Ah, là on le voit, ça y est, regarde. Vous le voyez peut-être je mieux pense à que la vous caméra. Le verrez avec les retouches. Donc cette fois-ci, je vous présente officiellement le Mont Fuji. Donc le voilà, il est juste devant nous.
On va aller le voir. De toute façon, là, on va aller au lac Kawaguchi, l'un des 5 lacs. Mais le voici, cette fois-ci, on l'aura vu. Le Ryoka n'aura pas menti, il y a vu sûrement Fuji. Si vous êtes intéressé, on mettra le lien de l'hôtel en description si vous voulez un truc assez sympa. Donc voilà, vous avez devant vous le mont Fuji. C'est tellement beau. Oh là, les mecs ont la maison là-haut. C'est magnifique. Kawaguchiko Museum. Là, il y a un musée. Bonjour tout le monde. Donc on a marché au bord du lac Kawaguchi. Il est beau. On va vous le montrer. On a mis les doigts dans l'eau, il est chaud. Voilà, vous le voyez derrière nous. Avec Alice qui se balade. Et enfin, de l'autre côté, il y a ce que je vous ai promis, parce qu'on avait promis qu'on irait plus près. Vous. Le fameux mont Fuji, je te laisse leur montrer. T'es devant. Ah, voilà. Je ne vois pas dans le retour. Le mont Fuji, voilà, le seul et unique. Alors ça fait petit vu comme ça, mais. Ah oui, juste là. Regardez, vous le voyez là. Ça fait une super photo de la miniature. Donc voilà, objectif accompli. Moi je me dis, j'avais plusieurs objectifs dans ma vie et l'un d'eux était de voir le mont Fuji de près. Donc voilà, c'est fait. C'est un beau cookie. C'est hein. Officiel, voilà, c'est magnifique. Donc toute cette expédition nous a mené ici. Et là, on va quand même vous montrer parce que de ce côté-là, c'est quand même. On parle du mont Fuji, mais je sais pas si c'est pas plus beau en vrai là. Le lac est vraiment beau ouais. Au bord des montagnes. Ouais. Vous entendez le bruit du vent. Oui, mais c'est agréable parce qu'il y a un bon vent, il fait frais du coup. Oui, c'est pas le genre de vent. Limite, on pourrait sortir une petite laine. Voilà. Bon. Sur ce, je ne sais pas si ça signe la fin de la vidéo, mais je pense que ça signera certainement la fin de cette vidéo. On parle du voyage au Japon, rassurez-vous, il y aura d'autres épisodes. Donc rendez-vous la semaine prochaine ou le mois prochain. Pour le mois prochain. Ouais, ça dépend de quand pour une autre vidéo, en attendant, bah, on verra peut-être des images du coup pour la fin, etc. Mais en tous les cas, on espère que cette excursion au lac Kawaguchi vous a plu. Et avant que la tempête ne m'emporte, là, je comprends des bêtises. Nous vous disons à la prochaine. Oh, avec les nuages, regarde comme c'est beau. Et salut tout le monde, donc cette vidéo ne s'arrêtera donc jamais. Hier on a dit que c'était le dernier plan, on pensait que voilà on allait plus tourner sur le mont Fuji en tout cas pour cette vidéo aussi, mais là bah si on va le faire. Il est comme nous sommes des êtres de bonne foi. Voilà, il est 4h53 du matin et on est réveillé. On est réveillé parce qu'on s'est dit qu'on voulait aller au lac Kawaguchi pour voir le soleil se lever sur le mont Fuji. Et là il est en train de se lever un petit à petit le soleil. C'était 55 l'heure de lever, donc il est en train de se lever progressivement. Il fait déjà jour, mais on voit pas encore le soleil. Non. Et je pense que d'ici une demi-heure, on le verra pas du mont Fuji. Et ce qui est bien, c'est qu'on sera certainement arrivé au lac d'ici là. Donc voilà, bah vous aurez quelques images. Ça, c'est le cimetière. Et oui, donc il y a le cimetière. J'aime pas trop filmer les cimetières, c'est assez respectueux, je trouve. Nous avons quand même réussi, au pied de mon fusil, à sortir les manches longues. Ah oui, le Japon, c'est une sorte de surprise. On trouve toujours des trucs un peu partout. Ouais, bon, voilà, c'est tout. C'est mignon. On va pas aller chez lui. On est assez respectueux de nos hôtels. Voilà. Thank you.